Gars, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier vlog, on vous a laissé sur des petites tensions. Je sais pas ce qui m'a pris à filmer pendant qu'on était embrouillés, mais bref. Moi, j'ai pas compris. En fait, j'étais en train de juger, mais comme une merde. Genre... Hier, on n'a pas vlogué, on a eu le temps de s'expliquer, on s'est réconcilié. On s'aime à nouveau et nous pouvons donc reprendre les vlogs. Unboxing. Tokyo, moi je veux ceux de Japon, genre Japanese Good Luck Series. Ah, je crois que c'est que des mystères. Comment t'as fait pour ouvrir? Toi avec tes ongles là de Kangol. Ah non, faut regarder celui que tu veux d'abord. Oh là là, elle est chiante, elle a un rituel. Moi je veux l'un des deux chats, sinon le reste j'aime pas. Le chat ou le Mont Fuji. Bon, allez go là, c'est bon, sinon on en a pour 4 heures. Bon, attends, on va ouvrir le truc. Oh là là, déjà on a pas un gros. Ah, j'ai celui avec les poissons dans les mains. J'ai le Mont Fuji. Je suis trop content. Il est trop nul, il est horrible. Bon bah moi il est pas beau. Next one. Ça c'est ceux qui se mettent sur le téléphone. C'est la série animaux. Moi je veux soit le lapin. Oh putain, ils sont trop tous beaux. Oh putain, j'aimerais trop la biche. Moi je veux le lion ou la girafe, c'est tout. J'ai pas le lapin, j'ai pas la girafe, j'ai pas l'éléphant. Prenez ma vie là, c'est bon. Oh, je vais te le donner, je m'en fous. Non mais attends, ça se trouve j'aime bien. Ah, j'ai le mouton. Putain, mais j'ai hyper pas de chance hein. Et il a le lapin. Oh non, il est trop beau, ça va trop bien aller sur mon ordinateur. J'ai trop hâte de le mettre. C'est quoi déjà? Ah oui, les... C'est les fruits. Oh, moi, je veux le radis. La fraise ou la grappe. Moi. Putain, peut-être que j'ai un bien là. Tout est flop, moi aussi, c'est des flops. Ah, j'ai le raisin. Putain, j'ai trop de chance. Non, mais c'est pas possible. Oh putain, moi j'ai... Putain, j'ai la cerise. On échange direct. On échange. Ah non, mais moi c'était la cerise en fait que je voulais, j'avais pas vu. En vrai, elle est chou aussi. Oh, mais moi j'aime trop la grappe. Je sais pas si on colle un dans ma voiture. Ils vont trop bien ensemble. Allez, dernier. C'est quoi ça? Oh, c'est trop. Pourquoi on m'a pas pris plus de ça? Bah, parce que tu m'as dit non. Oui, je sais, j'avoue. Le pig en vrai il est trop ouais, mignon. Ouais, il est trop chou. On va voir. Et putain, on paraît combien? On a. Ça va, je crois qu'il est mignon. Ouais. Ah non. Petite catégorie. Collection. Collection. J'en veux plein, ça y est, j'en veux plein. Bon allez les gars, on file, let's go. Shopping day. On s'apprête à vivre un très très grand moment. Il était temps parce que là on n'en peut plus de payer des taxis. On va tester le métro. J'imagine que tout repose sur moi. Oui, et moi je te suis. Bah on va pas aller très loin ma grande. Non mais en vrai, je sais pas pourquoi, nous les campagnards, on a tendance à dramatiser le métro alors qu'en vrai, en 2023, il y a plan partout, c'est hyper fort. Ouais. 2 seconds later. Descendez du train à Kyoto, je crois, il va falloir passer sur la gestion. C'est ça, t'es sûr? Bah, j'espère. C'est pas là, je crois. Et là, ce qui se passe, il y a des gens de la sécurité, genre parce qu'on a dû descendre pour prendre une correspondance en gros, enfin, vous m'avez compris. On a demandé à une personne, moi je vais demander à un deuxième officier et il nous dit l'inverse de ce que nous a dit le premier. Donc, on fait quoi? On fait la blouse, genre? J'avais un peu faim, donc on s'est pris un petit corn dog. Attention, crash test. Oh. Ma vie, t'as réussi à faire le truc à la mozzarella. T'aimes pas? Moi j'adore. Je préfère largement ça. C'est aussi pris des petits onigiri, ton mayonnaise. Petite anecdote sur le Japon les gars, c'est un truc de ouf, on était en train de faire des photos en mode en plein milieu d'une rue, donc on gâtait les couilles à tout le monde. Choquant, c'est eux qui
s'excuse de marcher dans la rue parce qu'on fait des photos en mode désolé, hein. Ils courent et tout. En France, mais MDR, déjà on te juge, ils te passent le plus lentement possible pour te niquer ta photo, genre. Tu peux comprendre, voilà, t'es pas le centre du monde, genre t'as pas réservé la rue. Mais ici, c'est un truc de ouf comme ils ont ce sens du respect des autres, c'est même trop. Oui, j'avais envie d'arrêter tellement qu'ils étaient en mode trop chou, genre. Et aussi, un autre truc, ils ont tellement confiance aux gens. Regardez la fille à sa carte, accrochée à son sac, comme ça, sans pression, en mode détente. Personne va lui voler, genre, ça me choque. Même dans les boutiques, ils te collent jamais au cul. Après, peut-être que c'est parce que la loi, elle est tellement stricte ici que si tu fais le moindre truc, en vrai, tu vas en tôle. Je finis, je dis mon avis, je fais la bouche pleine. Les gars, même les moustiques, ils sont gentils ici. Il y en a un qui nous tourne autour depuis tout à l'heure, mais il reste pas vers nous. Au début du séjour, il y a une tonne de moustiques et il y en a aucun qui nous a piqué. Oui, de ouf. Bah après, ne pas crier la charrue avant les bœufs. Mais ne pas crier la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Que ça se trouve, ils vont nous piquer. Et j'ai remarqué un truc. J'ai l'impression que tous les Japonais sont bruns et brunes. Ah oui, j'ai... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, on est dans le temple Gotokuji. Et Alex, il voulait absolument m'emmener parce qu'en gros, c'est le temple des chats. Bon, moi, au début, je lui dis, il y a des vrais chats dans le temple? Il m'a dit, non, en gros, c'est des images de chats. C'est des figurines. Ouais, des figurines et tout. Regardez, il y en a déjà une là. Et c'est hyper calme là. C'est un chat? C'est un dragon, Léna. Le temple Gotokuji est bien connu au Japon comme le lieu de naissance de Maneki Neko, la figure du chat qui invite. Il apporterait de la chance et du succès à son propriétaire si celui le garde dans sa chambre ou dans son espace d'études. Ils étaient pratiquement tous sold out. J'en avais déjà ramené en vrai à mamie. Enfin, moi. Je suis sûr que je crois que... Ah ouais. Tu m'as rien ramené. Il restait que lui. Un tout bébé. Non mais il est trop mignon là. Je me fais dévorer là encore. Il y a plein de moustiques. Ah les moustiques ils nous ont jamais piqué. Ah, là t'inquiète pas que c'est bon. On est bien là. On est en pleine démangeaison là. Les gars, expliquez-moi pourquoi on sait pas se taire. Genre on a ouvert notre gueule. Karma, voilà, clairement. Je me fais jamais piquer par les moustiques. Je sais pas, j'ai un type de sang qui fait que ils aiment pas. Sauf que visiblement ça s'applique pas aux moustiques japonais. J'ai envie de m'arracher la peau. Je sais pas comment vous faites pour vous faire piquer toute l'année. Moi je sais pas ça. Je dis rien. Je dis rien. Là on va où? Faire du surfing. Depuis cet été je suis dans un optique en mode si j'ai pas de couture j'achète pas. Et même si je pars sans rien, je suis même pas déçue parce que je me suis dit j'ai pas trouvé de couture, donc en soi. Score et toujours. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous saoule avec ces hugs. Mais t'en as combien de paires? J'en ai deux et il y en a une, ça fait plus de tellement que j'ai. Ta vie, tu me parles des hugs, j'ai l'impression. Non, mais c'est trop bien les hugs, je vais essayer. C'est horrible comme ça. Genre sans un jean, on dirait des sabots. Peut-être avec des chaussettes montantes. J'ai concocté un petit pas, un défi, mais je sais pas, j'avais envie de rigoler quoi. On va aller dans une boutique kawaii. Tu vas me faire une tenue kawaii. Bon, maintenant reste à trouver la boutique. Je pense que c'est facile parce que le Japon, c'est la ville des kawaii. Je suis hyper content parce que je lui fais une tenue kawaii dans une friperie. Je sais pas comment j'ai fait pour négocier. Ça va être trop bien. Ça, c'est avec kawaii. T'es hyper kawaii. Lui faire mettre des ballons. Ah, il trouve pas. Le styliste a des difficultés. On change de boutique, ça se fait pas. Allez, let's go. Il fait une chaleur. J'arriverai même pas à la décrire. Tellement il fait chaud. Oh non. Hello. Ah, on peut pas. Ok. On change alors. Bye. Next, là c'est kawaii un peu gothique hein, par contre. C'est kawaii gothique. Oh les chaussures. C'est tellement drôle, j'aurais ça comme ça. Tu prends noir, j'ai pas retaché avec mon maquillage. Le sac, moi j'aurais dit. Et voilà. Tenue foot kawaii. Alors attention les gars, verdict. Je me. Yo. Kawaii, il est chopé en fait dans une frie à Tokyo. J'ai voulu faire un côté un peu asymétrique. Mon petit sac à dos, évidemment j'ai du stop. Prêt pour aller à l'école des kawaii. Mais je fume. Donc les gars, regardez, je sais pas si c'est que dans ce genre de boutique, mais les tailles des chaussures c'est en mode des tailles de vêtements genre S. Là il y a LL, là c'est M. C'est hyper drôle. Elle est trop belle. So pretty. Arigato. Elle est trop chou. Thank you. Arigato. Elle, très aigrie. On dirait que leur vie,
c'est genre un film, genre un dessin animé. Les gars, je suis trop contente, il y a un truc Nintendo, j'adore Nintendo. Plein de trucs. Ah, ça aurait été mon rêve. Ouais. Les porte-clés. Ah, il y a un Luigi. Ah, regardez, le champignon. Oh non, Peach. Oh, regardez ça. Au produit, un Pokémon en vrai. Ah, je l'adore ce Pokémon. En fait, on sait pas ce qui est stylé ou pas. Là, j'ai un peu un vieux. C'est un vieux qui. Oui, qui sait pas quoi acheter. Allez, gâteau. Allez, gâteau. Là, on va dans cette boutique Kendou. Et en gros, le concept, c'est que c'est tout à 1 euro. C'est un peu Target et tout. Faut pas emmener Léna dans ce genre de truc, elle va acheter plein de merde. Là, c'est parti. Tu peux pas essayer de prendre un vernis, ça se trouve, il va être incroyable. Elle est pas trop belle cette couleur. Couleur match. Oui, couleur match. C'est dans son match, mais mon couleur de vernis. La couture. Expliquez juste pourquoi tu t'es arrêtée dans le rayon couture en fait. Je sais pas. Je vais penser à maman. J'ai un petit truc cassé, elle me le répare. Ah là, il y a des billes, tu te rappelles? Ça date. Les volets les plus rares. C'est encore dans la génération, genre de... Non, de... je pense pas. Maintenant, c'est les Kwakubé. Il y a une pâte. Oh non. Oh non, ça, j'adore. Moi, bon, l'avion. Ça, non, je prends ça. Il faut jouer avec la pâte dans l'avion. Ah oh, si, je prends. Elle est trop satisfaisante. Ah, oh, j'ai trop hâte de la toucher. On y va parce que là, je sens que ça va partir en couille. C'est toi, tu m'emmenais là-dedans. Oui, je sais, je regarde déjà. Moi qui l'entre dans une boutique pas bizarre. Ça fait plein. Ah, il y a une jupe, c'est pour ça qu'il est bien, j'avais pas vu. Pas trop chaud avec les petites marguerites là? Ah oui, de ouf. Elles sont trop mignonnes, je te verrais trop les porter. Petite pause dans le shopping, on s'est pris... Un matcha et un chai bien dégueulasse. Léna était en train de me dire genre, moi je pourrais vraiment pas vivre au Japon. Ouais, moi je pourrais pas. Il y a trop de règles, il y a trop de... Mais moi je suis pas une personne déjà qui aime habiter dans les villes. Je suis une campagnarde. Voilà, je suis une campagnarde, elle m'a dit. Et moi je lui disais que si, je pourrais clairement habiter ici. Parce que j'adore le fait que ce soit hyper safe, que les gens sont hyper respectueux. Il y a plein de choses à faire. Il y a personne qui boit un verre en terrasse. Moi je suis une pure française quoi, je peux pas changer. Moi j'aime bien bah, aller avec une copine. On fait quoi aujourd'hui? On va boire un verre. Au Japon, il y a beaucoup de boutiques vintage de luxe de seconde main avec des pièces de malades mentaux et tu peux tomber sur les super bonnes affaires. Donc s'il y a une pièce que tu kiffes de ouf, je juge que c'est une affaire. Je ferai peut-être chauffer la carte et peut-être que tu ressortiras avec un petit article vintage de luxe, voilà. Je croise les doigts ou je fais quelque chose? Moi je décroise les doigts et j'espère qu'elle ne trouvera rien. Déjà, t'as de la chance, y a pas de pierre qui l'en... Non mais d'accord toi, je l'adore. Putain. Je lui ai dit que j'allais sortir ma carte, elle fouille de partout, hein. Elle rate rien. Ouais non, c'est un peu un flop. Bon. Théma, Halloween, ça m'a fait penser, imagine on était là pour Halloween. Je suis deg, ça aurait été iconique. Elle doit aller à New York avec son copain. Je veux pas prévoir pour Halloween, il va juste avant avec moi pour Halloween et après il te rejoint et moi je pars. Comme ça on fait Halloween à New York. Et non, parce qu'il est en vacances en janvier. On fait New York avant. Les gars, chauffez les liens dans les commentaires. Commentez si vous voulez qu'on fasse Halloween à New York et qu'on vlogue tout. Ouais, mon rêve. Je sais pas. Je m'en fous, si vos commentaires Mac, je me débrouille pour la convaincre. A vous de jouer les gars. Si si si. Vous mais savez. Y a pas que cet Halloween, y a l'Halloween prochain aussi. Non non mais on fait du action-réaction là. Vous connaissez ma force de persuasion les gars, et même Léna est au courant que. Si je force à mourir, elle ira à New York. Son prochain voyage que je fais, je prends pas ici. C'est bon, il manque trop. Bah, pas de soucis, on le prend. Oula. Il y a que des sacs là. Que la cam de Léna là. Elle te plaît cette boutique? Elle regarde, est... regarde là. Je vais mourir. Et on est pris en otage par le gérant de la boutique là. Il veut tout nous faire acheter. Mais sauf qu'on va rien acheter, c'est beaucoup trop cher. Ah, regardez où on est. Bon, je sais pas si vous savez, mais c'est le musée des Lumières. On est rentré, Léna s'est préparée, elle a fait cette coiffure là en 5 minutes. D'être ça, je sais même pas comment elle a fait. Trop belle. On marche dans l'eau. Si on n'attrape pas de mycose, c'est beau. Ah, les microbes. T'avais pas pensé aux microbes, si toi? Ah, tout le musée, on doit être pieds nus, ça me répugne. Après, arrête de faire genre. Non, mais là, c'est les pieds de tout le monde. Les gars, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Oh, il y a des imitations poissons, il y a vraiment des poissons. Mais comment ils font pour avoir des pièces avec de l'eau comme ça? Regardez, il y a des poissons. Ah, par contre, c'est des poissons chats, j'ai la phobie. Oh my god, ça me fait des frissons là par contre. Nous va pas.
Franchement, va faire le mec, mais j'ai pas fait la même pour son anniversaire. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bah sympa, ça se voit que ça t'a marqué. Ça, on vient de sortir. C'est mon idée préférée de toute ma vie. C'était impressionnant et tout, c'était super cool. Une fois que Léna a adoré un musée. Ouais, vraiment, j'ai adoré. On est resté 2 heures, les gars. Heures. Honnêtement, si on a à Tokyo, passé par TeamLab, ça nous a coûté 7 000 yens pour deux. Donc combien est-ce que ça fait? Calculatrice. 44 euros. La kiffée, elle est contente, donc je suis content. Tu kiffes ta vie? Tu kiffes? Thank you so much. Je vais demander une cuillère parce que manger le riz avec les baguettes, ça fait 4 jours que je mange sans couvert. 4 jours. Oh, la satisfaction d'avoir une grosse bouchée dans la bouche. C'est bizarre. Ouais, t'as vu. C'est bizarre que ça passe bizarre en fait. Au résultat de la viande, c'était bon entre guillemets. Non. La viande, il y a plein de gras. Il y a des personnes qui aiment le gras, mais nous, on déteste. On déteste. On ne peut pas manger du gras, c'est pas possible. Quand vous l'avez dans la bouche, ça fait un truc hyper chaud. Dites-nous en commentaire si vous aimez le gras ou pas. What? Ouais. Il est trop chaud. Par contre, on lui parle de la France, il parle de l'Italie. Après 4 jours à Tokyo, il était grand temps. Où est-ce qu'on est? Quartier Geek. Où est-ce qu'on va? Faire des jeux. Allez, let's go. On est riche. Mon dieu, mais il y en a trop. Pour nos petits cousins qui adorent Pokémon, mais non, pour Tyson. Allez, 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 oui, 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 allez, non mais c'est impossible. Non, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es là, appuie. Allez. Oh, 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 allez. Non. Oh, voilà, c'est la triche. Il est en train de me laminer. Tour de vie. Yeah. Aïe, ça doit être partout. Vas-y, 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 vas-y. Allez, dégage. J'aime trop, une dernière. Oui, oui. Et on a gagné de la bouffe, ma fille. Je veux des bonbons japonais. Putain. Oh, la malchance. Si j'ai faim là en plus. Ah. Mais comment c'est possible? Ah. J'ai faim. Just one! Just one, please! Please! Just one! Oh, thank you! Yes! Not just one! Mais il a dit oui!
Oh là là, ils sont pas drôles. Bon, j'avoue, les pauvres, ils veulent rentrer chez eux, il est 23h30, on est un peu égoïste là. Tyson, on a pas eu... On achètera sans en gagner une, en fait, parce que là, on perd de l'argent j'avoue, c'est drôle au moins. Oui, c'est drôle, mais bon, merci la monnaie. En vrai, est-ce que c'est cher? Attends. Ça dépend, c'est 2000 yens. 10€. Ça va. C'est rien. En France, il serait grave cher. On rentre? Ouais. On va pas en club? Non. Allez, on teste un club. Non, mais on a dormi 3 heures là. Tu vas pas dormir, on rentre. Douche et eau de bain. Dab, il est 2h du mat, on dort toujours pas, putain. Alors qu'on s'est dit, ce soir, minuit et demi, on dort. Je crois qu'on s'est jamais couché aussi tard que Japon. Ouais, vraiment. Oh, mais surtout toi. Alex, c'est grave un couche-tôt. Moi, à 21h, je dors, genre. Et même moi, avant de venir au Japon, franchement, j'étais trop contente parce que je me couchais à 23h minuit, j'étais trop contente. Elle avait une intoxication alimentaire. Oui. Bon, là, elle va mieux parce que du coup, c'est passé, mais... Ça s'est passé il y a 2h. Enfin, dès qu'on est rentré, quoi. Léla qui commence à se sentir pas bien, genre en mode, on rentre. Je vais à la douche et il y en a qui m'appellent et qui me disent ma vie. Je vois. Ma vie. J'ai cru que c'était la fin de mes jours. Genre vraiment, je me sentais archi pas bien. D'un coup, comme ça, je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Après, coup de chaud. Plein de coups de chaud. Ça redescend, ça remonte, ça redescend. La nausée, une envie de vomir. Et après, mal au ventre et tout. J'appelle Alex. J'attendais qu'il finisse la douche. En plus, vraiment. Resté. Oui, je suis vraiment. Que j'allais péter un câble. Et dès qu'il est sorti, je me suis dit, il faut que j'ai quelqu'un, faut appel de détresse. En fait. Je posais des questions. Si, je faisais exprès de te poser des questions en mode un peu médecin pour te rassurer. C'est ce truc qu'il a fait qu'il était bien, c'est qu'il m'a mis le torchon avec l'eau froide. Bref, bon. Oh, ma plus de batterie. Il y a le trépied, il faut déviser le trépied, mais genre là. Bon bah allez. Le chifoumi. Ah non, t'allais le faire, vas-y. Non, allez, chifoumi. Non, t'allais le faire. T'allais le faire. Allez. T'allais le faire! Chifoumi! Bah, c'est toi. Chifoumi! Putain! J'ai trop la flemme. Allez, t'as perdu Chifoumi, t'y vas? Je t'ai été pendant que t'étais en train de. Bah, encore heureux? Il manquerait plus que ça. Toi, t'aurais rien géré, quoi. Moi, j'aurais rien géré. Tu rigoles ou quoi? Je t'aurais donné les médicaments qu'il faut. Tu sais que je crois que j'ai jamais fait de masse comme ça de ma vie. Je... Ah, beau, moi, un peu, non? Avec. Non, non. Dans le retour, je le trouve beau. Hey. Bon, on va faire un petit concept, on va faire une... Putain, on fait que bouffer ici. Attends, bah, c'est le but de tester quand même. Bah, fait quoi à part bouffer au final? Rien. Putain. J'avais pas qu'on devait aller dans les rues, c'était pour chercher un truc à manger. On pourrait peut-être me faire du bien d'ailleurs, me donner du... Oui, évidemment. Du mise, attendez, je goûte. Franchement, ça va, hein. Ouais, t'as vu. Et ça... Le deuxième, c'est... Un espèce de raisin, ça, il y a du potentiel. À mon avis, c'est comme les Stickles. Les Stickles. Les quoi? Les... Skittles. Et Skittles. Vraiment. Skittles japonais. Moi j'adore. Il y a pas un autre truc à déguster là. Devinez qui s'est fait repérer pour faire du mannequinat. Ah oui, c'est vrai, bah repérer, ils t'ont jamais contacté. Je pense que je devais être horrible sur les photos. On se balade dans la rue, un premier mec vient nous accoster, enfin vient m'accoster parce que tu n'étais pas le personnage principal. Bah je préfère ne pas me faire accoster que me faire accoster mais qu'on me rappelle jamais. Bah moi au moins il a vu un potentiel en moi. Il y a un premier... Oh là là. Tu peux t'en prendre 4 même, c'est toi qui m'as donné ta toux. Il y a un premier repéreur de... Pas de talent, de beauté en fait, qui vient me voir et tout, qui fait oh my god, hey man, I love your style. Il me demande si je suis mannequin. Je lui dis non, pas du tout et tout. Du coup, il me prend en photo. Ah, il prend la pose du coup. Enfin, du coup, je prends la pose et tout. Et, les et moi, je me tape une barre. Parce qu'en fait, il... C'est pour ça que je suis rigolée. Oui, tu te l'as joué trop, genre, ça faisait trop rire. Bah, je donnais tout, genre. Quand je vois que Alex il rigole, mais que le mec il le prend en photo, je me retourne vite. Mais il est encore... ça, c'est encore pire. Le pire, c'est qu'il était tellement mal à l'aise, Alex, au mec. Genre, en mode, tu m'as montré une énorme scène. Oui, oui, bah oui, bah clairement, j'ai clairement remis la faute. Bah, en même temps, c'est ta faute, donc j'ai remis la faute sur toi. Bref, la moitié des photos, j'étais en train de rigoler. Et l'autre moitié, j'étais genre, tu sais, quand tu te retiens de rire, du coup, tu fais une tête de constipé. Là, m'a gâché mon opportunité professionnelle parce que c'est une grosse jalouse. Part dans même pas 2 jours et je n'ai jamais reçu de message. T'as de la mort. Je pensais que c'était du masque. Là je t'oblige, tu n'as pas le choix. T'es obligé de tester les toilettes. De te laver le cul. Ah. Si. Alors là. L'eau qui vient dans mon trou des fesses, c'est dégueulasse. Et alors quand tu te laves avec quoi Bah, non, je me mets pas un gel dans le cul, non. 1, 2, 3, 7, à toi. Inverse. 1, 2, 3, 2. Allez, Rear Soft, c'est moins fort.
ça me dégoûte. J'ai dans les fesses. C'est chaud. Non. Allô. Non, mais c'est chaud. Là, c'est là, séchage. Non. Vas-y, si, ma vie, je suis. Ça fait quoi? Ça un peu plus fort. Ça, ça doit être. Ça, c'est bizarre, mais c'est bien. C'est agréable. J'ai de la petite air. Voici Alex Tamburini qui a pris toute sa valise pour aller à Tokyo, mais que maintenant il se retrouve à mettre des bottes et des trucs les plus lourds sur lui. La phobie de tous les humains sur Terre. Je vais voir ce qui pèse, l'eau pèse le bois. Non mais en même temps... Ce que j'ai volé... Il a mis tous les trucs de l'hôtel... Volé pour 10 kilos là. One eternity later. Elle a récupéré la valise, elle est contente qu'elle m'a saoulé tout le trajet alors qu'elle a acheté un putain d'airtag à je sais pas combien. Elle a sa titine. J'avais oublié que j'avais une voiture. D'ailleurs, à Tokyo, j'ai même pas parlé de ma voiture. En fait. Oui, c'est vrai, tant mieux. J'ai complètement oublié que j'avais une voiture. Tant mieux pour toi, mais. Plus de la matérialiste là, objetophile. On va faire. On va voir Titi. Imagine, nous fait la gueule là. Mais non. C'est grave possible. Je suis trop contente de nous revoir, arrête. Non, moi, quand on l'appelait en face, elle me disait bon bruit, bon bruit. Il tournait la tête et il sautait sur le téléphone. Bon, allez, go. Je sais même plus conduire, faut que tu t'attaches. Bon bruit. Bon bruit. Comment mon amour, il est venu vers mon premier. C'est une blague? C'est une blague? C'est un prank! Il nous fait la gueule! C'est une blague? Mais wesh, Tyson! Toute la gueule du monde! Il a niqué tout le monde derrière là! En fait, parce qu'il y a d'autres chiens! Hein. Non mais c'est un petit con! J'ai envie de pleurer! Regarde, en plus je tremblais et tout, je suis trop contente! Tiens, je dis pas bonjour à sa maman! Je me rends compte! Ah si! Au moins là, il me respecte! De la maison et j'ai claqué la porte, c'était dans ma tête, il va me faire la fête quand je vais revenir. Tous ces pleurs là, j'ai pleuré pour toi là, j'ai des glaires à cause de toi dans la gorge. Bah oui, voilà. Regardez avec ses bottes, on dirait bah, l'écurie. J'étais en train de regarder, on dirait qu'il promène un cheval avec ses bottes qui va. J'attendais le commentaire. Ça veut dire que mon outfit n'est pas voulu. Hein. Ça y est, enfin, on l'a retrouvé. Let's go home. Regardez où on est. Ça pue. J'adore. Ça tellement. Le parmesan avec les pâtes. Et ça aussi, même ça. Le truc là. De quoi? Le coco là, de parmesan, tu sais, bizarre là. On a trop bien mangé au Japon, mais genre en mode à petite dose, c'est bon, genre. Rien peut détrôner la bouffe française. Ouais, j'avoue. Prendre la mâche ou pas? Oui, prendre la mâche. Elle est folle. Mais allô, qu'est-ce qui lui arrive? Non mais là je suis pour quinquer légumes là. Le healthy boy est de retour. Back. My god les gars, ma piscine. Une meuf casanière qui reste chez elle et tout alors. Oh, ça me fait trop du bien. Mon petit canapé de dehors. Ah, oh, il fait encore chaud en plus alors je vais pouvoir encore me caler là. Et oh mon dieu. Ah c'est stylé un peu. Ah non arrête. Bon c'est bon. Putain elle me saoule. Qu'on n'a pas dormi ensemble. Je vais pas dire, mais sur qui Tyson a sauté en premier alors que j'étais en train de filmer et que toi tu criais bro bro et tout pour te faire remarquer, pick me. On peut remarquer moi. Pas du tout, c'est pour qu'il me saute dessus. Il a sauté sur moi. Non, il est venu me voir moi. Non, il est venu me voir moi en premier. Ah. Bah, je m'en fous, je suis pas jalouse, vraiment ça te fait plaisir. Mmh. Ah, si tes cheveux gras, là, je vais me désinfecter les doigts bon, là pendant 10 000 ans là. Oh mon dieu. Oh. Oh. Je veux voir de face, montre-moi. Bon les gars, c'est la fin de cette série de daily vlog. Oh my god, ça va faire tellement bizarre de plus vlogger. Ah oui, de plus vlogger, ça va rentrer de ouf. Bah, on espère vraiment du coup que ça vous aura plu. À nous le dire, on attend vos retours dans les commentaires. On vous laisse parce qu'on a un milliard de choses à faire. Là j'ai honte de vous finir la vidéo comme ça là, genre c'est pas possible. Bon allez, bisous les gars, on vous aime fort. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, si vous êtes toujours là, on vous aime trop. Me suivre. Merci. Love you les gars. Bisous.